Salut à tous, c'est Mister Fanax pour un nouvel épisode de Dragonia 5985, le jeu de rôle, avec... Okino, ou d'un joueur comme vous voulez. Nogar. Nogar, non, ça marche aussi. Docteur Dragon. Spirit Wolf. Spirit Wolf ou Spiritus. Et Frost. Non, c'est bon, ça marche pas. Voilà, qui... Frost qui est temporairement occupé, qui rejoindrait... peut-être en cours d'épisode, mais cette fois on va encore une fois adopter la stratégie du PNJ. C'est très bien. Donc mais dans l'épisode, il n'y a pas trop de problèmes. On est divisé en deux groupes, donc ça peut passer. Donc dans l'épisode précédent, vous êtes donc arrivé en ville et en tentant d'aller dans la boutique de l'alchimiste pour trouver un remède au poison qui affectait Spiritus, vous vous êtes aperçu que l'alchimiste n'était pas là et qu'elle était partie au château. Vous êtes donc séparés. Volker et Okino sont partis au château pour voir si l'alchimiste pouvait y traîner. Tandis que Spiritus et Frost, eux, sont partis réserver une chambre à l'auberge où ils sont sur le point de manger. En gros, c'est les autres qui font le sale boulot. Après avoir rencontré un vilain dragon et le mec qu'on avait croisé. Je crois que c'est eux qui ont insisté pour faire le sale boulot, mais bon. Très bien. Donc Volker et Okino, vous entrez dans le château, escortés par un des gardes, et vous grimpez donc un escalier en bois et en pierre, plutôt étroit. Vous passez un étage, vous montez et vous arrivez donc au premier étage de ce grand donjon. Ouais, il y a du monde, on est dans la merde. Il y a des flèches. Ouais, il y a pas que ça, mais il est pas un plus gros le roi. Vas-y, traque. Attends. Bon, tant que j'y suis, l'escalier. Ouais. Il y a des flèches. Il y a des flèches et des escaliers partout, c'est la folie. Donc vous entrez dans une grande salle où de nombreux serviteurs, de nombreux gardes s'affairent à préparer la nourriture, à débarrasser, à laver. Et en particulier, vous voyez en face de vous le grand hall où se dresse une énorme table du banquet qui est pour l'instant vide puisqu'on est en dehors des heures de repas. Seul le roi est en train de bavarder, enfin le seigneur. Vous me faites tout confondre, vous, à dire roi sans arrêt. Désolé. Le seigneur semble être en train de discuter avec son capitaine des gardes. Et vous voyez un homme, plutôt jeune, à côté de lui, qui porte une grande cape et un bâton et qui semble être mage. Oh non, putain, mage. Que faites-vous ? Déjà, on va pas lui couper la parole ? C'est con ? On laisse le garde en fait nous annoncer. En fait, on laisse le garde aller se suicider en fait. Très bien, donc vous suivez gentiment le garde sans provoquer de guerre civile. Et le garde s'approche donc du seigneur et s'incline devant lui en disant: Seigneur Maliar, ces deux voyageurs souhaiteraient vous rencontrer. Elles ont quelque chose d'important à vous dire. Il Là t'as dit elle. C'était... Bon, en plus c'était pas intentionnel. C'est vrai. Le seigneur se détourne donc du capitaine des gardes et vous regarde d'un air intéressé. Bonjour. Du coup, moi, je suis le seigneur Maliar qui gère la ville de Lithier. En quoi puis-je vous être utile? Déjà, moi je fais... Je fais la révérence. Moi je m'incline. Je m'incline, voilà, je cherchais le mot. Si. Ouais, bah moi je m'incline, c'est direct. Et je me présente au Kino Tisashi, mage de lumière. Volker Moltein, prêtre de Minin. Un luminien ? Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de luminien par ici. Et donc, qu'est-ce qui vous amène ? Volker, je te laisse expliquer. Nous étions en route vers votre petite ville fort bien sympathique lorsque malheureusement nous sommes tombés sur un groupe de personnages étranges. Nous voulions vous informer pour vous prévenir au cas où, malgré que je suppose que vous deviez déjà au courant. À cet instant, vous voyez le mage debout à côté du seigneur qui fronce les sourcils et qui lui tapote l'épaule. Le seigneur se retourne, le mage lui chuchote quelques mots à l'oreille. Et hoche de la tête. Le mage ferme brièvement les yeux, se concentre, puis les rouvre. Spiritus, à cet instant,
Donc à cet instant, tu es donc toujours dans l'auberge. Oui. L'auberge. Tu es donc toujours dans l'auberge et en train de regarder un peu ce qui se passe autour de toi avec Frost. Vous êtes attablé. Et soudain, tu vois Ovarel, l'homme que vous aviez rencontré plutôt dans la journée, froncer les sourcils, ouvrir légèrement les yeux de surprise et tourner la tête vers vous. Ah, mais on s'est surpris. Il interrompt sa conversation avec le dragon et se dirige à grands pas dans votre direction. Et j'imagine que vous le voyez se téléporter, ce qui est très très esthétique. On le voit glisser. Ça va. Très bien. Donc Ovarel s'approche de votre table et dit d'une voix un petit peu ennuyée, messieurs, le seigneur voudrait vous voir. Venez avec. Ah. Oh putain, c'était exactement ce que j'ai deviné. Oh putain. On est dans la merde. Spiritus et Frost, que faites-vous? Bah du coup, on va le suivre, hein. On va pas faire genre non. On va se montrer poli, faut pas déconner. Voilà, et je vais pas totalement jouer Frost parce que je vais dire oui d'accord, on le suivait. Non, Frost, il serait plutôt à faire une petite phrase à la con juste avant. Très bien. Donc Ovarel sont manifestement très pressés et donc vous le suivez en dehors de l'opéra. Le seigneur dragon, lui, se retourne vers Ovarel, puis il retourne à ses occupations, c'est-à-dire manger un énorme morceau de bœuf ou quoi que ce soit d'autre. D'accord. Très bien, vous êtes en train de marcher vers le château. Pendant ce temps-là, vous deux, vous ne vous êtes pas aperçu de grand-chose. Moi, je me suis aperçu du tout. Certainement, Okino commence à comprendre... En tant que mage. Moi, je crois que j'ai compris. Le mage a dû communiquer à Ovarel. C'est un peu logique. Oui. Oui. Donc voilà. Voilà. Okino, tu dis qu'il a dû utiliser une forme quelconque de pouvoir magique, mais tu ne sais pas forcément encore laquelle. Je ne sais pas sur nous, si on pouvait largement sortir, mais il a utilisé de la magie, ça j'en suis sûr. Donc il y a toujours le machin à côté. Donc. Pendant ce temps-là, monsieur le Sire Malière, le seigneur, continue. Donc, vous me parliez d'individus que vous avez rencontrés sur la route. Des chasseurs de loups-garous, est-ce que nous avons compris? Des chasseurs de loups-garous? Encore? Cette haine contre les loups-garous dure depuis trop longtemps. Les habitants sont toujours en train de les chasser, de les poursuivre, de les persécuter. J'adore ce seigneur. Les superstitions de notre peuple, difficile de nous en débarrasser. Apparemment, il faisait. Comment saviez-vous qu'il s'agissait de chasseurs de loups-garous? Vous leur avez parlé? On a cru voir une forme. Je vais être honnête avec vous. On a un ami qui est un loup-garou, justement. À cet instant, donc, tu vois un servant qui était en train de nettoyer le sol, qui se retourne un petit peu d'un coup et qui commence à reculer vers la cuisine. Merde. Moi je m'en fous. Moi je suis honnête avec le roi. Le roi ouais, c'est un peu logique. Le seigneur, monsieur. Le seigneur. Et sa philosophie me plaît. Il se trouve donc du coup qu'on a dû se réfugier dans des ruines pour essayer d'éviter qu'il se fasse tuer. Malheureusement, les chasseurs de loups-garous nous ont retrouvés et. Nous avons découvert. Ça s'est mal passé pour eux. Très mal passé. Ouais, d'une certaine façon. Je vais être honnête avec vous, je n'aime pas particulièrement les loups-garous. Ils ont tendance à être violents. Mais ce n'est pas pour ces raisons que je vais laisser des brigands assassiner des citoyens sur mon territoire. Vous avez une idée de l'endroit où ils étaient? Nous savons exactement dans... le campement était. Ce qu'il en reste de souhait, c'est descendant. Oui, descendant. Mais, monsieur le seigneur, juste pour vous rassurer, sachez que notre ami a été élevé par des marchands. Et il est de nature pacifique, donc. J'espère pour vous. Vous voyez ces gardes? Ils sont
Mobé, Soudoy à l'œil. Pendant ce temps-là, donc, vous voyez Ovarel suivi des deux autres qui entrent dans la pièce. Ovarel salue brièvement de la main le seigneur et le mage, puis sort de la pièce. Salut les mecs. Juste un truc, vu la taille des portes, comment est-ce qu'il fait pour passer Spiritus? Non, il joue la physique, ça sert à rien. Il est un peu obligé de forcer. Très bien. Donc le seigneur adresse aussi un signe de la main à Ovarel et puis ça s'adresse donc aux deux nouveaux qui viennent d'entrer. Alors vous dites que vous avez un ami loup-garou, est-ce un de ces deux-là ou il est dehors? C'est un de ces deux-là. Exactement. Oh, bonjour. Intéressant, donc vous maîtrisez un peu la magie à ce que je vois. Très bien, donc cette organisation de chasseurs de loups-garous, vous avez pu en apprendre plus à ce sujet? Mes gardes manquent un peu d'indices, vous savez. Je résume, hein, je lui ai dit qu'on avait réussi à garder un homme en vie de ce camp, qu'il nous avait donné le nom de la guilde. Ouais, d'accord. Je vois à peu près ce que tu as dit, c'est bon. Par contre, vous m'entendez bien? Oui. Juste, il y a un truc important, essayez de le marquer. Les protecteurs de la nuit, de mémoire. Je suis pas sûr de la qualité de mon micro à moi. T'inquiète, c'est bon. Les protecteurs de l'ombre, voilà. Ça me prendra à ne pas savoir de quoi je parle. Et je lui ai aussi dit que du coup, ce campement faisait partie d'un groupe de paysans qui avait été recruté par cela pour chasser les loups-garous à proximité. Et donc à cet instant, donc vous entendez une femme qui arrive, qui passe, les bras chargés de livres, qui vous adresse un bref signe de tête avant de passer près du seigneur. Elle échange là encore quelques mots avec lui à voix très basse. Vous n'entendez absolument rien, mais elle tourne brièvement la tête vers toi, Spiritus. Elle fronce un peu les sourcils et puis après sa conversation avec le seigneur, elle repart d'où elle était venue. Encore une qui comprend. Ça fait beaucoup. Ouais. Ils sont tous mages dans ce village ou je sais pas. Mais elle, ça doit être l'alchimiste. Ouais, peut-être. Mais... Parce que dehors, c'est une femme. Elle allait voir le seigneur sans chercher quoi que ce soit. Il n'y avait aucun garde avec elle. Le fait qu'elle ait froncé les sourcils en regardant Spirit. C'est peut-être l'alchimiste. Et à cet instant, justement, puisque vous avez magnifiquement bien déduit, le seigneur se retourne vers vous et vous dit « Donc, d'après les informations que j'ai reçues, le loup-garou Spiritus, j'ai bien compris ce que vous me disiez, oui, c'est ça. Spiritus aurait été empoisonné par les chasseurs de loup-garou, non ?» Oui, c'est ça. Très bien, l'alchimiste va préparer un remède. Pendant ce temps-là, je vous invite à vous prendre place à table. Attendez un peu, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Ceci est bien trop aimable de votre part. Mais c'est mon devoir de venir en aide à ceux qui traversent mon territoire. Et puis, après tout, je vous dois bien ça, c'est un peu aussi la garde qui a mal fait son boulot. Et en disant ça, il adresse un sourire un peu ironique au chef des gardes. N'est-ce pas petit? Et ensuite retourne à sa conversation justement avec le capitaine. D'accord. Donc vous vous asseyez? Moi j'hésite un peu à m'asseoir. J'ai jamais été invité par un seigneur en fait. Moi je me mets à peine là parce qu'on a vu. On comprend pourquoi, hein. On comprend pourquoi est-ce que j'ai jamais été invité par un seigneur. Tu étais invité dans leur cave, si on voulait faire vraiment cliché. Ah non. Ok. Juste une petite clichette. Donc Frost, un peu méfiant, puisque évidemment lui il est assassin et il a déjà œuvré dans cette ville, donc il se sent pas forcément en sécurité à côté des représentants de l'ordre. Donc voilà, il est un petit peu méfiant, mais il finit par s'asseoir. Cependant, vous voyez qu'il a un peu la main sur sa ceinture où il range ses couteaux. Je lui dis détends-toi, t'ont pas reconnu jusque-là, et puis on va bien trouver un arrangement au cas où tu reconnaisses. Et vas-y, man,
pute. On sait étendre. C'est quoi ce truc? Quoi ça, Panax? J'ai jamais fait ça. Ok, donc vous attendez encore près de 20 minutes. Donc, vous commencez à trouver un petit peu le temps long. Non, c'est le temps qu'il faut pour une potion. Et oui. Puis soudain, vous entendez dehors des grands bruits, des bruits de sabots, d'armure, enfin de chevaliers en armure. Ouh. Apparemment, un certain nombre de chevaliers arrivent au château. Ouais, on va avoir de la compagnie. Et donc, on va se faire défoncer. Et donc, à cet instant, le garde qui était parti à la porte revient vers vous précipitamment. Et vous chuchote, le chevalier de Colombe arrive. S'il vous plaît, partez un petit peu plus loin, on veut pas vous avoir là quand il arrivera. D'accord, très bien. Merci de nous avoir prévenus. Très bien, donc il vous pousse donc vers l'escalier et vous invite à descendre. Pendant que vous entendez le bruit des chevaliers qui s'engagent dans l'escalier et qui sont sur le point de rentrer. Donc... Il vous pousse dans l'escalier et puis il ferme la porte derrière vous. Et vous arrivez donc au premier étage devant lequel vous étiez passé tout à l'heure. D'accord. Apparemment, c'est un étage qui serait plutôt réservé à l'hébergement, etc. D'accord. D'accord. C'est bon ? Ouais, ça va, j'ai à peu près compris, c'est bon. Pas un peu que c'est l'hébergement des gardes, c'est pas qu'on est gardes. Juste pas de chance. Vous aussi constater qu'il y a encore un escalier qui descend, donc il y a probablement une cave ou quelque chose dans ce. Cave ? Non. Yeah. Danger, nain bourré. Attachez-vous le cœur. Très bien, donc vous entrez dans ce couloir qui a l'air d'être fréquemment emprunté. Avec des portes, dont certaines qui sont légèrement entrouvertes. Mais j'ai peur que ce soit genre la caserne des gardes, moi, en fait. Oh, qu'est-ce bah, que... Moi, donc, je me dirige vers la sortie. Si ça se trouve, c'est peut-être les cachots, hein, aussi. Peut-être. J'en sais rien. D'après ce que vous voyez, il est peu probable que ce soit des cachots. Les murs, les portes sont en bois, pas particulièrement renforcées. Traduction, Spiritus peut les défoncer d'un coup de patte, c'est ça? Ça ressemblerait plus, voilà, ça ressemblerait plutôt à des chambres standards. Pièces. Coup, mais je te dis, moi j'ai vraiment peur que ce soit les. C'est l'endroit où on est rentré. Quoi? C'est l'endroit où on est rentré. Vous êtes passé par ici, donc vous êtes descendu d'un étage. Oui, et on était rentré par là? À la base, dans le château? Oui. Donc, déjà je fais un mage noir. Il y a apparemment un nombre assez conséquent de mages par ici. Je vais pas essayer de me faire repérer. Je sors d'ici l'air de rien. Ah oui. Non. L'escalier était à l'étage d'au-dessus. Si vous regardez la map, en effet. Ah oui, d'accord. Enfin, vous pouvez pas regarder la map d'au-dessus, mais. Oui, en gros, tout ce qu'on peut faire, c'est de se planquer dans ces. Bah oui, en gros, le garde vous a un petit peu enfermé là en attendant que le seigneur en ait fini avec ses invités. D'accord. Logique, c'est un peu énervant. Ça. Voilà, la seule sortie, c'est soit défoncer la porte pour revenir là où vous étiez, mais ils vont pas trop bien le prendre, soit aller dans la cave, mais vous allez finir bourré. Non. Lui, il va finir bourré. Du coup, la porte d'entrée, elle est fermée. La porte d'entrée. Attends, là j'arrive pas à situer. Si on est au rez-de-chaussée, c'est par la grande porte. Celle-là, c'est la porte par laquelle on est rentré dans la tour. Non, le rez-de-chaussée. Non, en fait, vous êtes au rez-de-chaussée, mais voilà, non, c'est un peu moi qui me confonds avec mes maps. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes rentré par ici, pour être exact. Voilà. J'arrête de m'embrouiller. Voilà. Et donc nous, on est allé là. C'est autre chose, c'est un accès pour aller probablement une cave, peut-être la même d'ailleurs. Donc, et là, là c'est l'escalier que vous avez emprunté pour descendre. Donc dans le donjon. Vous êtes déjà un peu dans le donjon, enfin ce oui, château. C'est le rez-de-chaussée du donjon. Si vous voulez. Voilà, donc que faites-vous? Est-ce que vous allez voir ce qui se passe là-dedans de l'eau? Vous attendez. Ici c'est un mur, du coup. Ouais. Ici c'est une double porte ouverte comme une sorte de grand placard. D'accord. Je vais aller voir. Ouais, au cas où. Non, il y aura... mais... Si, non, mais... cas où il y aurait du loot, c'est vrai. Le mec il commence à looter. Non. Ouais, si tu veux. Oh non, mais. Commence à looter.
Donc voilà, donc tu. Je Frost, regarde juste, hein, je prends donc, en voyant que tu vas visiter, Frost sent son âme de voleur s'éveiller. Il regarde un petit peu, il écoute. Il a l'impression qu'il n'y a pas de garde, donc il te suit prudemment, chuchotant de ne pas faire trop de bruit quand même. Frost, tu ne prends rien. De vous rester par là. Moi, je vais les suivre au cas où. Okay. Parce que le Frost, là, je vais. Attends, non, il y a déjà aucune eau, ça va. Moi, je vais rester là, je vais faire du. Moi, je vais rester là parce que je vais défoncer. Qu'est-ce que je raconte, moi? Très bien. Avec donc, le loup, voilà. Donc, au Skino, il est quand même blessé encore. Tu ouvres le placard. J'ai besoin d'un petit soin. Oui. Très bien. Donc, tu ouvres le placard et à ton grand étonnement, ce placard est intégralement vide. Tout ce qu'il contient, c'est une sorte de tas de matière gélatineuse verdâtre. Miam miam. Tu peux me faire un test d'intelligence si tu veux savoir ce que c'est, ouais. Ou admettre que c'est de la marmelade et le manger. Non, quand même pas. 76, je crois que ça rate. Ça, j'espère que ça rate. Quoique t'as le bonus de je sais ce que je fais. Ah, j'ai le bonus de je sais ce que je fais. Je connais mon métier quand même, ouais. Ouais, donc ça me fait plus 10 de test intelligence. Non, j'ai 70 du coup, ouais. Très bien. Ouais, et donc tu. Donc vous avez ouvert la porte que pour des raisons évidentes de praticité du truc, je supprime. Et donc tu analyses un petit peu la substance avec ton pouvoir, tu la touches. Et tu la manges. Non, alors, j'ai pas fait un échec critique. Et elle te bouffe le bras. Non, tu l'as... non, il a pas fait un échec critique non plus. Et donc, tu tentes de l'examiner. Tu sens une certaine magie dans cette substance, mais tu es incapable de dire ce que c'est. Tu n'as encore jamais vu ça auparavant. C'est totalement. Je demande à Frost. Oui, parce qu'il doit avoir plus de compétences. Puis sinon, ce sera à Volker. Qu'est-ce que c'est que ce truc? S'exclame-t-il. Et donc, lui aussi va jeter un coup d'œil à l'étrange substance. Et là, je vais recourir à un subterfuge absolument formidable. Il a 55 en intelligence. Voilà. 33, ça passe. Et donc, passe. Il touche la substance, il examine un peu. Il la regarde. Et il dit... Qu'est-ce que c'est que ce machin? Cette chose me... Je sais pas, ça me rappelle quelque chose, mais... Je sais pas trop quoi. Du tulou. Non. Le mec qui... Déjà, il sait que ça n'est pas une énorme mare de tulou. Déjà, c'est un petit peu gélatineux. Et le poison est rarement gélatine. Enfin, ça dépend. Je sais pas. Il y a des poisons plutôt indigènes. Donc voilà, vous êtes devant cette espèce de tas de gélatine verte étrange. Vous ne savez pas franchement ce que ça pourrait bien être. Et pendant ce temps-là, Spiritus, toi qui est placé près de l'escalier, tu entends, tu t'habitues au son ambiant, et puis tu entends en bas comme des bouillonnements, des bruits un petit peu étranges. Tu te demandes ce que ça pourrait être, et apparemment ça vient de la cave. Bah, c'est peut-être la chimiste qui prépare l'antidote. Peut-être. Ça peut être aussi la plus grosse cuisine aussi. Ça peut être là où ils ont pris les trucs de tous les soldats, des litres, peut-être. Des litres de bière. Ça peut carrément être un piège, mais. En connaissant Fanax, il ne fait pas venir ici par hasard. Lol. Ouais, donc je sais pas, je veux juste essayer d'être discret, mais me placer à moitié au milieu, à la moitié du de l'escalier, essayer d'entrevoir quelque chose, si possible. Ok, donc tu gestes juste un petit coup d'œil. Hop, histoire de voir de ce qu'il y a là-dedans. Voilà, donc tu jettes rapidement un coup d'œil. Donc voilà, tu es ici. D'accord. Et donc tu jettes un coup d'œil à l'intérieur de la cave. Tu vois des tonneaux. Bon, c'est pas grave. Des divers papiers. Et tu vois surtout ce qui ressemble à une table d'alchimiste. Avec des choses qui bouillent, des divers flacons. Ouais, donc c'est sûrement la chimiste n'est pas là, apparemment. Elle est peut-être remontée après, elle est peut-être remontée par là. Ou par autre chose. Mais. Donc ouais, c'est sûrement la chimiste. Je me dis, on va. Ah, d'accord.
Non, j'hésite entre aller voir de plus près ou éviter de déranger ou un truc dans le genre. Apparemment, on va arrêter l'épisode ici, puis je vais réfléchir. C'est pas trop ce que tu pourrais déranger vu qu'il n'y a personne. Mais donc, très bien, nous verrons la suite dans le prochain épisode. S'ils pourront arrêter de se faire reléguer dans l'arrière-salle par monsieur le seigneur qui les snob. Et sur ce, à bientôt. À bientôt.